Comment trouver la meilleure carte mère pour AMD? Le choix peut s'avérer cornélien. Il faut vérifier la compatibilité entre votre carte mère et votre processeur, le format, les connecteurs disponibles pour ne pas vous retrouver dans l'embarras avec votre propre matériel. Le socket est également important. Il faut choisir le meilleur. Il s'agit du support du processeur sur la carte mère. En fonction des générations, il est de forme différente et pas toujours compatible. Allez, on se lance dans ce top 5 des meilleures cartes mères pour AMD. MSI TRX 40 Pro Wi-Fi. À la première place, nous avons tout de suite pensé à la MSI TRX 40 Pro Wi-Fi et son chipset TRX 40 compatible avec les processeurs AMD Ryzen Threadripper de 3ème génération. Les performances de votre ordinateur ne seront que plus puissantes grâce à un socket TRX 4, vous pourrez utiliser la pleine puissance de ces processeurs et tenir de nombreuses années avec la même carte mère. Le format ATX offre des fonctionnalités excellentes pour votre ordinateur. 4 ports PCI Express 16 fois renforcés, compatibles SLI et Crossfire, 2 ports M.2, compatibilité NVMe, 2 contrôleurs pour l'Ethernet et un contrôleur pour le Wi-Fi. Votre connexion sera alors rapide et constante. Cette carte mère dispose également d'une connectivité Bluetooth 5.0. La vitesse est impressionnante grâce au support natif de la mémoire DDR4 à une fréquence de 3200 MHz et jusqu'à 4400 MHz. Son prix, entre 400 et 500 euros selon les sites. Qualité, fonctionnalité et nombre ports. Haute fréquence. Puissance incroyable. Défaut, prix élevé. Gigabyte X570 UD. En deuxième position, on retrouve la carte mère Gigabyte X570 UD pour un processeur AMD Ryzen 1ère, 2ème et 3ème génération avec Radeon Vega Graphics. Elle dispose d'un chipset AMD X570, d'un support des interfaces PCIe 4.0 et USB Type-C, d'une solution audio de qualité studio, d'un réseau Ethernet ultra rapide et de la Wi-Fi dernière génération. Elle est aussi munie d'un radiateur large. Le fonctionnement thermique est clairement optimisé avec également le Smart Fan 5 incluant de multiples capteurs de température. Elle contient également des condensateurs audio haut de gamme pour un son d'une qualité remarquable, avec 6 ports SATA et une capacité 128 Go. La fréquence de la mémoire peut aller jusqu'à 4000 Hz en dual channel. Avec la compatibilité des bandes lumineuses RGB, vous pourrez choisir les couleurs des LED et personnaliser votre carte. Ce produit est bien sûr compatible HDMI 2.0. Le BIOS saura se mettre à jour sans CPU, RAM et carte graphique. Convient parfaitement aux gamers et à des utilisations bureautiques. Malheureusement, pas de connectivité Wi-Fi pour cette dernière. Vous la retrouverez sur internet à un prix variant de 160 à 200 euros. Qualité. 6 ports SATA. Pas de surchauffe. LED personnalisable. Défaut, pas de Wi-Fi. MSI B450 Tomahawk Max. À la troisième place de ce classement, la carte mère MSI B450 Tomahawk Max, munie d'un audio boost et d'une qualité audio qui créera une atmosphère et une immersion parfaite selon vos envies. Avec le socket AMD AM4, la carte est nativement mise à jour pour les processeurs Ryzen 3000. Elle dispose de 2 ports USB 3.0 avec un port USB-C, de connecteurs LED RGB et de 4 emplacements de mémoire RAM avec des fréquences allant jusqu'à 4133 MHz. Une fréquence élevée en prouvant la qualité du produit. La capacité totale est de 64 Go. Vous pourrez même overclocker le processeur en utilisant cette carte sans aucune difficulté. 6 ports SATA sont disponibles mais vous ne pouvez pas utiliser 2 ports si vous avez un M.2 actif, un peu dommage. Les performances restent excellentes et les températures sont maîtrisées avec un radiateur large pour un meilleur refroidissement. Compatible avec la technologie Mystic Light, vous pourrez personnaliser le rendu de la carte. Munie du DDR4 Boost pour booster les performances de la mémoire, cette carte mère dispose également de fonctionnalités gaming exclusives telles que le Game Boost, Gaming Hotkey, X-Boost. Son prix, 118 euros. Qualité, technologie Mystic Light. Fonctionnalité gaming. Défaut, mémoire assez petite. Asus TUF Gaming B460 Plus Gaming. À la quatrième place, la carte mère Asus TUF Gaming B460 Plus pour AMD B450 au format ATX avec DDR4 4400 MHz. Conçue pour les gamers, elle dispose de l'HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, WM2 PCIe 3.0x4. Compatible SATA 6 gigabits seconde. La mémoire maximale est de 128 Go comme la majeure partie des cartes. Le BIOS est très simple à utiliser.
Cette carte accepte les derniers processeurs AMD grâce aux mises à jour régulières, accepte une grosse quantité de RAM, 4 slots pour la version ATX, et avec des fréquences élevées, et malgré une connectique peut-être un peu faible. Il y a également la protection TUF, Safe Slot, ESD Guards, protection contre les surtensions des DDR4 par exemple. La personnalisation est encore mise en avant avec un éclairage RGB Aura Sync et des connecteurs RGB. Muni du FanXpert 4 corps, la carte mère trouvera l'accord parfait entre les performances de refroidissement et un bruit réduit pour le plus grand plaisir des joueurs. Cette configuration est clairement basée sur le gaming, au coût maîtrisé et au look unique. Enfin, son prix est de 100€ actuellement sur Amazon. Qualité. Pour les gamers, mise à jour régulière, refroidissement de qualité. Défaut, connectique faiblarde. MSI A320M A Pro Max. Pour finir ce classement et satisfaire les plus petits budgets, nous vous proposons une carte mère d'entrée de gamme à 60€. La carte mère A320M A Pro Max reste un modèle intéressant avec un socket AMD AM4 pour un processeur AMD Ryzen 1000, 2000, 3000 et AMD Serie A Athlon. Elle dispose de deux slots mémoire DDR4 3200+, MHz, OC, Dual Channel, de 4 ports SATA et d'un port PCI Express 32Go de mémoire. Le BIOS dispose de toutes les fonctions utiles. L'overdocking ne sera pas très impressionnant étant donné qu'il s'agit d'un chipset A320. Au niveau du son, la carte mère dispose tout de même de l'audio boost pour une qualité audio assez impressionnante. Les composants électroniques sont robustes et de qualité. Le format est micro ATX. Qualité. Niveau de son. Prix imbattable, 4 ports SATA. Défaut, mémoire de seulement 32Go. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce top 5 des meilleures cartes mères AMD. Cela vous a plu? Alors, quel est votre choix final? Rendez-vous en commentaire.